La femme cachée, nouvelle, écrite par Colette, lue par Équilibre, livre audio. L'assassin. Quand il l'eut tuée, d'un coup de la petite masse de plomb sous laquelle elle maintenait ses papiers d'emballage, Louis se trouva embarrassé. Elle gisait derrière le comptoir, une jambe pliée de travers, la tête retournée et le corps de face, dans une posture ridicule qui mit le jeune homme de méchante humeur. Il haussa les épaules et faillit lui dire. Relève toi donc, tu en as une touche. Mais à ce moment le timbre de la porte retentit, et Louis vit entrer une fillette qui demanda. « Une carte de laine à repriser noire, s'il vous plaît. » Il répondit poliment, « On n'en a plus, on n'en aura que demain. » Elle sortit, referma la porte soigneusement, et il s'aperçut qu'il n'avait même pas songé qu'elle pouvait s'approcher du comptoir, se pencher, voir. Le soir tombait, assombrissant le petit magasin de papeterie-mercerie, on distinguait encore les rangées de cartons blancs qui portaient sur leurs flancs un bouton de corozo ou une boule de passementerie. Louis frotta machinalement une allumette sur sa semelle pour enflammer le bec de gaz. Puis il se souvint et éteignit l'allumette sous son pied. Le marchand de vin, en face, éclaira d'un coup tout son rez-de-chaussée, et par contraste, la petite mercerie-papeterie sembra dans une nuit rayée de lumière jaune. De nouveau, Louis se pencha par-dessus le comptoir. Avec un étonnement sans borne, il constata que sa maîtresse était toujours là, jambes pliées et cols retournés. En outre, quelque chose de noir, un fil mince, comme une mèche de cheveux, ruisselait sur sa joue pâle. Il ramassa les quarante-cinq francs de monnaie et de billets sales qu'il avait dédaignés si furieusement tout à l'heure, sortit, retira le bec de canne qu'il mit dans sa poche et s'en alla. Pendant deux jours, il vécut dans une sorte d'enfance, s'amusant à regarder les bateaux sur la Seine et les écoliers dans les squares. Comme un enfant, il s'amusait et il s'ennuyait comme un enfant. Il attendait et ne pouvait se décider à quitter la ville ni à s'installer comme avant dans la camelotte. Sa chambre payée à la semaine recelait pourtant encore un stock de monuments de Paris sur carte postale de lapin sauteur et de produits en tube pour confectionner soi même une boisson fruitée. Mais Louis ne vendit rien pendant deux jours et coucha dans un autre garni. Il ne ressentait pas de peur, et il dormait bien. La journée s'écoulait pour lui légère, chargée seulement de cette impatience agréable qu'on goûte dans les grands ports lorsqu'on a retenu sa place sur un paquebot. Le surlendemain du crime, il acheta comme les autres jours un journal et lut. Une commerçante assassinée rue X. Il dit tout haut. Ha ha. D'un air de connaisseur, lut lentement et attentivement le fait divers, nota que le crime, en raison de l'existence très retirée de la victime, passait déjà pour mystérieux, et replia le journal. Devant lui son café crème refroidissait. Le garçon du bar fourbissait le zinc en sifflant. Un vieux couple près de lui trempait des croissants dans du lait chaud. Louis demeura stupide un bon moment, et la bouche entr'ouverte, à se demander pourquoi ces choses familières avaient cessé soudain de lui être proches et intelligibles. Il eut l'impression que le vieux couple, questionné, lui répondrait dans une langue étrangère, et que le garçon, en sifflant, Regardait à travers le corps de Louis, sans s'apercevoir de sa présence. Il se leva, jeta de la monnaie et partit vers une gare, où il prit un billet pour une banlieue dont le nom lui rappelait des courses, des après-midi de canotage. Pendant le trajet, il lui sembla que le train faisait très peu de bruit et que les voyageurs parlaient à demi-voix. Peut-être que je deviens sourd. En descendant du train, Louis acheta un journal du soir. Relut le même récit que dans le journal du matin et bâilla. Bon Dieu, ça n'avance pas. Il mangea dans un petit restaurant près de la gare et s'informa auprès du patron de la possibilité de trouver un emploi dans le pays. Mais il accomplit cette formalité avec une grande répugnance et se sentit mal à l'aise quand le restaurateur lui conseilla de voir un dentiste qui, dans une villa voisine, regrettait le départ d'un jeune homme employé la veille encore à nettoyer la motocyclette et à flamber les instruments de chirurgie. Malgré leur avancée, il sonna chez le dentiste, s'y donna pour fabricant de jouets mécaniques, ne discuta pas le chiffre des honoraires deux cent cinquante francs, et coucha le soir même dans une chambrette mansardée, tendue de ce papier à fleurettes grises et bleues dont on double l'intérieur des mâles bon marché. Huit jours durant, il tint l'emploi de garçon de laboratoire auprès du dentiste américain, un grand cheval osseux et roux, qui ne lui posait aucune question, et qui fumait, les pieds sur la table, en attendant les rares clients. Bardé d'une blouse de toile blanche, Louis prenait le frais, appuyé à la grille ouverte, et les bonnes des villas souriaient à sa figure brune et douce. Il achetait tous les jours un journal, Exilé de la première page, le crime de la rue X languissait maintenant en deuxième page, parmi les tamponnements de trains et des escroqueries de somnambules. Cinq lignes, dix lignes affirmaient sans passion que le mystère demeurait entier. Par un après-midi printanier, embaumé de pluies brèves, transpercé de cris d'hirondelle, Louis demanda au dentiste américain un peu d'argent pour s'acheter du linge quitta sa blouse blanche et repartit pour Paris. Et comme il n'était qu'un petit assassin bien simple, il alla tout droit revoir la papeterie mercerie, des enfants joués devant le rideau de fer baissé, et les éclaboussures d'une semaine posées sur la porte décellée debout. Louis fit longtemps les cent pas sur le trottoir d'en face, et ne quitta la rue qu'à la nuit close. Le lendemain il revint un peu plus tard pour ne pas attirer l'attention, et les autres soirs il prit fidèlement sa faction après dîner, quelquefois sans dîner. Il se sentait plein d'un étrange espoir, ressemblant à l'angoisse d'aimer. Un soir, qu'il s'était arrêté pour renverser sa tête vers les étoiles et exhaler un long soupir, une main se posa doucement sur son épaule. Il ferma les yeux, ne se retourna pas, et tomba inerte, bienheureux, dans les bras du policier qui le suivait. Au cours de l'interrogatoire, Louis avoua qu'il regrettait certainement son crime, mais qu'une minute comme celle où il avait senti sur son épaule la main libératrice récompensait de tout, et qu'il ne pouvait comparer cet instant qu'à celui où il avait, dit il, connu l'amour.